Karl ne put s'empêcher, en apercevant le carreau d'arbalète planté dans les marches de bois, de songer aux traits légendaires qui devaient frapper le talon d'Achille. Mais qui était l'Achille visé cette fois-ci? Près d'arbalète avait la même origine, il n'y avait pas de doute pour Karl. Qui était-ce? Et surtout, que chassait-on ainsi? Karl concevait de plus en plus que ce ne pouvait être une chasse normale. Le gibier qu'on traquait à l'arbalète était féroce, car jamais le tireur ne semblait s'en approcher. Qu'était-ce donc? La piste était fraîche. Ça faisait peu de temps que la voiture s'était enlisée. Où diable pouvaient être passés les propriétaires? Karl croyait jusqu'ici que la chasse à l'arbalète visait un loup enragé qui pouvait sévir dans le village. Mais à force de mesurer la hauteur des traits, il songea que ce devait être une bête haute comme un homme. Un autre journal. Karl sentait que quelqu'un tentait de communiquer avec lui, à moins que ce ne soit que le fruit du hasard. Cette chasse n'avait pas de fin. Karl espérait que le chasseur ait eu le dessus sur sa proie. Avec tant de traits décochés, pas de doute, la bête était transpercée comme une outre.